that the Lord has made. We're glad that you're able to come into his presence today. Nous sommes heureux de vous accueillir dans sa présence aujourd'hui. And especially if this is your first time worshiping with us. Et surtout si c'est votre première fois ici. We say welcome to you as well. Nous vous disons bienvenue. And if you're joining us online. Et si vous nous rejoignez en ligne. We welcome you as well. Nous vous disons la bienvenue. And just so you know what to expect in our services. Et juste pour que vous ayez une idée du déroulement de ce service. Especially if you're visiting for the first time. Surtout si vous êtes là pour la première fois. Our service will run until about 4 p.m. Alors notre culte va durer jusqu'à 16 heures. And just after this moment, et juste après ce temps, we're going to have our opening prayer. Nous allons avoir donc notre prière d'ouverture. After which time we'll have praise and worship. Et après cela, on va louer et adorer le we Seigneur. We welcome you to worship freely in vous the presence of God. À louer librement dans la présence de Dieu. And after that, we'll have the sharing of the word. Et après ça, on va partager ensemble la parole de Dieu. And I'm so very excited for the theme of today. Et je suis vraiment contente, excitée avec le thème qu'on a aujourd'hui. And I want you to be ready for this. Et j'aimerais vraiment que vous soyez prêts. We will be exploring on the theme. On va explorer le thème. Go with the strength you have. Va avec la force que tu as. I will be with you. Je serai avec toi. And if you do have children, et si vous avez des enfants, don't worry. Ne vous inquiétez pas. Our wonderful Sunday school teacher. Alors notre merveilleuse enseignante du dimanche. Will be ready and welcoming your children after the worship and praise moment. Sera prête pour accueillir vos enfants juste après la louange et l'adoration. For their Sunday school. Pour leur école du dimanche. We really believe that this service will be wonderful and powerful. Nous avons foi aujourd'hui que vraiment ce service va être merveilleux et puissant. God bless you and enjoy the service. Dieu vous bénisse et profitez bien du service. We wake up in the morning and we think that journée, and we think that it's part of the journey. On se lève le matin, that on croit we que c'est must normal, wake up. Et qu'on doit se that we must encounter this day. Qu'on doit forcément but voir it's ce only jour. Because God said, mais c'est juste parce you, que Dieu a dit, I want you today. Toi, je te veux you, I want you today here with me. I want avec to moi. Walk with you. J'aimerais He's the one who toi. Called you by your name. Il est celui qui He's vous the one par who knows how many hairs you have on your il head. Est celui qui sait He's le the one who blesses you every day. Il est celui qui vous He's the one jour. Who calls the sun to rise up above you. He's the one who bless your family. He's the one who keeps famille. You. I want us to stop praying. I want us to prier. Stop glorifying him. I want us to glorifier. Start elevate his qu'on name. To exalt him. He alone is worthy to be praised. I want to hear you pray. I want to hear you glorify your God. He is your God. Before being my God, he is your God. He is your personal God. He is your good father. He is your savior. He is your Lord. He is the one who is who walks with you. He is the one who always kept you. All the worship, all the praise, because you alone are worthy. You alone are worthy, Father. We are here despite the rain outside. Because you are our everything. You are our everything. Oh, Lord. Oh, Masata Rabashike, be exalted, God. Oh, beloved, I want us to take our Bibles in Psalm chapter 150. J'aimerais qu'on ouvre nos Bibles à Psaume 150. Psalm 150. Psaume 150. The Bible says, la Bible déclare, praise the Lord. Praise God in his sanctuary. Praise him in his mighty firmament. Praise him for his mighty acts. Praise him according to his excellent greatness. Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with the lute and the harp. Praise him with the tremble and dance. Praise him with stringed instrument and flutes. Praise him with loud cymbals. Praise him with clashing cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Let everything that has
has breath. Que tout ce qui do you have breath in you? Est-ce que vous avez la vie aujourd'hui? Do you have breath? Est-ce que vous êtes vivant aujourd'hui? Then you are called to praise the Lord. Alors vous êtes appelé à louer then le you Seigneur. Are called to praise the vous Lord. Êtes appelé à louer in le this Seigneur. Moment that we have, dans ce let us dans praise que nous avons, our God. Louons let le Seigneur. Praise our God. Louons notre if Seigneur. If you want to clap your hands, clap your hands. Vous voulez applaudir, applaudissez. Do whatever what your heart tells you faites to do. Tout ce que votre cœur praise vous dit de faire. Him. Louez-le. Praise him. Louez-le. Not because of what he's doing for you, but pas because of ce qu'il who he fait is. Pour vous, mais à cause because de qui of il who est. He is. À cause de let's qui il est. Praise him. Louons-le. Let's exalt him. Exaltons-le. Let's exalt our God. Exaltons notre he Dieu. Alone are worthy. Lui the seul Bible est digne. Everything that has breath, praise the Lord. La Bible dit if you que and tout I ce don't qui want to praise loue him, l'Éternel. Even the animals will praise him. Let, tous les animaux même le loueront. Let us. Our, his children praise him today. Que nous, ses enfants, le louions aujourd'hui. With everything that we tout ce que nous avons. Let praise our God. Louons notre Dieu. Father, we praise you. Père, nous te louons. Father, we praise you. Père, nous te louons. Lord, I breathe. It qualifies me to praise you. Père, mon souffle m'a qualifié pour te louer. We breathe. It qualifies us to praise you. Que nous respirons, Lord, Seigneur, nous qualifie pour te louer. Of your people today. Lord, reçois les louanges de ton peuple aujourd'hui. Of your today. Reçois les louanges Lord, de ton église. The praise of your children today, reçois Father. La louange de tes enfants. God, receive the praise, reçois les louanges. You alone are worthy, toi seul oh es Dieu. Worship you, Adonai. You alone are God. And we say, Jesus, you are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds our lives, Lord. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Jesus, you are the pillar that holds my life. Jesus, you are the pillar that holds my life. Come on, sing it from your heart.
Wonderful, come on.
the day of great trial, of famine and darkness and sorrow, still we are the voice in the desert, crying, preparing the way of the Lord. Come on. Go with our hands. Jéhovah. Ce chant dit en d'autres termes, voici il vient au son de la trompette, brillant comme le soleil, le Seigneur revient. He comes. I don't know, sometimes we are in this world and we think that all the things that we need are only here. Souvent nous pensons dans la vie que toutes les choses dont nous avons besoin sont ici sur terre. Sometimes we even stop our Christian life to the things we see. Sometimes we even stop the blessings only to cars, marriages, money. Souvent on limite les bénédictions de Dieu à l'argent et aux choses de la vie. But there is a great blessing. Mais il y a une plus grande bénédiction. To see him face to face. C'est de le voir face à face. And when we will see him face to face. Quand on le verra face à face. I won't need anybody to sing for me. J'aurais pas besoin que quelqu'un d'autre chante pour moi. I will call him Abba Father. Je l'appellerai Abba Père. I will see the one who died for me. Je verrai celui qui est mort pour moi.
I will see the one who shed of his blood on the cross for me. Je verrai celui qui a coulé son sang sur la croix pour moi. Now I'm praying and I'm living through faith, but that day I will see him face to face. Aujourd'hui je prie et puis je crois par la foi, mais demain je le verrai face à face. If I don't have any word to say, si je n'ai aucun mot à dire, I will just say, je dirai juste, Baba, oh. Baba means Father, is our Father. Oh, Baba. When Jesus was teaching his disciples to pray, he said, when you pray, say, our Father who are in heaven, Baba. Baba. Now before we go to heaven, we want to tell him, let your presence fill this place, because we are in your presence. Let your glory fall down like the rain. Ba, 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 ba. Could you be here? Could you be watching online? I want you to connect to this glorious presence of God and to worship him with all your heart. Let the rain of the presence of God fill this place right now. As we want to hear the word of God, we want to say, Father, we're in your presence. Let it rain. Let the rain of your presence fall on us, Lord. Open the floodgates in abundance. Wow, I can feel the presence of God filling this place right now. Don't be disturbed. Let all your heart worship the Lord. Nos voix. Oh,
presence, Lord. And cause your rain to fall on us. Let your glory fall on us. Can you put your hands together for the Lord Jesus? Can you put your hands together for Him, the King of Glory, the King of Glory, the King of Glory, the Lion of the tribe of Judah. Le lion de la tribu de Judas. We worship you, King of Glory. Nous te louons, Roi de Gloire. And we bless you this wonderful day. Et nous te bénissons ce merveilleux jour. Receive all the glory. Reçois toute la gloire. And receive all the praise. Et reçois toute la louange. In the name of Jesus, dans we le pray. Nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. I thank God I had a wonderful trip yesterday. I was ministering in Quebec City. Je remercie le Seigneur pour mon voyage hier à Québec, dans la ville de Québec. It was very wonderful. C'était vraiment merveilleux. So today, alors aujourd'hui, I want to sit and hear God speaking to us. J'aimerais qu'on s'asseye et qu'on through his servant, Papa Roger Kabuya. À travers son serviteur, can Papa welcome Roger him Kabuya. As he's coming est-ce to the peut, front. Can the church encourage him more and more and more and more and more and more and more? Encourageons-le. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir. God is good. Dieu est bon. All the time. Et en tout temps. We have to believe it because God is good. Nous avons besoin de le croire parce que Dieu est bon. Pastor Rema, thank you. Merci beaucoup, Pastor Rema. Thank you very much, Pastor Rema. Comme je l'ai toujours dit et je le dis de ma part et de la part de beaucoup d'entre nous ici. Here. Que nous sommes très touchés, encouragés par le travail que vous faites parmi nous. We are very touched and encouraged by your work. Et surtout pour les occasions, les opportunités que vous nous donnez. And for all the opportunities you give us. De pouvoir porter la parole de Dieu. To bring the word of God. De pouvoir servir dans la maison de Dieu. To serve in the house of the Lord. Et de pouvoir grandir. And to grow. Souvent, c'est un des problèmes qu'on expérimente beaucoup, c'est que sometimes one of souvent, the problems on we have a lot sous des toits où on ne peut pas grandir. Is that sometimes we find ourselves in places where we cannot parce grow? Parce qu'il n'y a pas assez de nourriture. And we can't grow because there's not enough food. On ne grandit pas à cause de la qualité de la nourriture. We can't grow because of the quality of the food. Et on ne grandit pas parce que on nous laisse pas grandir. We can't grow because no one lets us grow. Il y a pas de soleil. Alors there's qu'est-ce no qu'il fait c'est que bon, so, on a germé puis demain matin. So we're just gonna germ but on ne peut pas. Yeah, we can't grow. Alors homme de Dieu, merci beaucoup. So man of God, thanks very much. Nous allons so we're going to lire la parole de Dieu. Read the word of God, the gospel. On va se lever, s'il vous plaît. Please stand up. Let's stand up together. La lecture sera un peu longue. The reading will be a bit long. Mais cela nous permettra de bien saisir le contexte de l'histoire. But it will allow us to understand the context of the story. Nous sommes dans Juges 6. So in Judges 6. Nous commençons au verset 1. From verse 1. Et nous allons aller jusqu'au verset 32. To 32. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian, Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre eux. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes.
car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébin d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille de Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Je veux reprendre encore le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Je reprends, l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « J'ai trouvé grâce à tes yeux. Donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je le dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de l'Éternel lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait entre les mains et le toucha et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher, un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, il dit, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains rien, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom, l'Éternel paix. Et il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiezer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et le second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste avec du bois, avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé
les pieux placés dessus étaient abattus et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été établi. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, le fils de Joas, qui a fait cela. Alors, les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a abattu les pieux sacrés qui étaient dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentent à lui, est-ce que c'est à vous de prendre parti pour Baal? Et est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. En ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Amen. 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 On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. We can sit in the presence. Merci of God. d'être resté avec moi pendant toute cette lecture. Thanks for following me during this reading. Une histoire de super-héros. Amen. Story of a superhero. Amen. Une histoire de super-héros comme seule la Bible peut le raconter. A superhero story that only the Bible. Une histoire de super-héros comme seul notre Dieu peut les fabriquer. A superhero story that only our God can make up. Amen. Amen. Nous sommes dans une période ou dans un air de super-héros. Period of a superhero. Les super-héros, on en voit de toutes les façons et de toutes les sortes. We see all kinds of superheroes. Ils sortent de la terre. They come from the ground. Ils viennent du ciel. They come from ils heaven. Sortent de l'eau. From water. Ils viennent de la nature. From nature. Et les super-héros sont partout. And super-heroes are everywhere. Et en plus des super-héros, on a aussi une autre catégorie, c'est les gourous. We have another category is the gurus. Les gourous sont tous ces gens-là dont souvent nous partageons les quotes. On va dire par exemple, Oprah a dit telle chose. We'll say Oprah said something. Dr. Phil a dit telle chose. And the other star said something. Mais la différence aujourd'hui avec ce héros dont nous allons parler aujourd'hui, the difference with the hero we're going to talk about today, c'est un héros qui est dans les desseins de Dieu et qui fait la volonté de it's Dieu. A hero that is in the will of God and does the will of God. Vous remarquerez une chose avec nos super-héros actuels. With the current superhero. Ces super-héros agissent dans un monde où Dieu n'existe pas. They act in a world where God is not there. Tous nos super-héros actuels. All of our current ils agissent dans un monde où Dieu n'existe pas. They work in a world where God doesn't exist. Ils agissent dans un monde où Dieu est absent. They act in a world where God is absent. God is silent. Où Dieu est mort. God is dead. Alors eux, ils viennent maintenant pour régler le problème de l'homme. To fix the problems of men. Chose qui est contraire à ce que la parole de Dieu dit. Which is contrary to what the Bible says. Le Dieu que nous invoquons n'est pas un Dieu mort. The God that le we serve Dieu que nous invoquons est un Dieu présent. He's a Dieu God que nous invoquons present. Est un Dieu actif. He's active. Le Dieu que nous invoquons est un Dieu qui s'implique dans l'histoire de l'homme. God is the God that involves himself in the life of man. Le Dieu que nous invoquons est un Dieu qui fait des super-héros. The God that we serve is the one that makes superheroes. Le Dieu que nous invoquons vient trouver un homme normal. He comes find a normal man. Un toi et moi. Just like you and me. Et en fait un super-héros. And makes him a superhero. Et c'est l'histoire dont nous allons parler aujourd'hui. And this is the story we're going to talk about today. L'histoire dont nous parlons aujourd'hui the story we're talking about today se passe après la conquête de la terre promise. Happens after the conquer of the promised land. Israël est entré dans la terre promise. Israel entered the promised land. Israël s'est installé. They settled there. Et certains problèmes ont commencé à arriver. En arrivant sur cette terre, Dieu leur avait dit, and they started having issues and ne vous conformez pas au peuple que vous allez trouver sur place. God told them, do not be like the people that you are going to find there. Dieu leur avait dit, écoutez, vous allez aller, mais je ne veux pas chasser tout le monde d'un coup. You will go there, pour que la terre, pour que out le pays ne soit pas abandonné, puisque vous n'êtes pas nombreux. I don't want the parce que rappelez-vous que Dieu dit à Israël,
dans le pays où vous irez, je vais vous multiplier. Because God told Israel, donc le that pays country, était plus grand que le nombre d'Israélites qui étaient arrivés. Was bigger than the number of alors Israelites Dieu that commence made it there. À les installer. So God mais leur to sell donne them there. Un ordre, ne vous conformez pas, but ne vous mélangez pas à ce peuple-là, de peur que yourself. Vous puissiez perdre votre votre spécialité, si je peux dire, do le fait que vous êtes unique. Also, you don't lose what makes you special. Alors, so, l'histoire ici the story here est l'histoire de ce peuple-là. Is the story of that people. Et dans le livre de Juges, in the book of Judges, Dieu suscite des hommes et des femmes God raises men and women qui viennent sauver son peuple. That come to parce que ce peuple constamment, ce peuple qui avait reçu les lois du mont Sinaï, n'arrêtait pas de pécher, n'arrêtait pas de faire ce qui était mal aux yeux de Dieu. Et Dieu est entré chaque fois de pouvoir susciter des hommes et des femmes sur lesquels il mettait son esprit pour pouvoir délivrer son peuple. To deliver his people. Et parmi les juges les plus célèbres que nous connaissons, nous avons Déborah, nous avons Gédéon dont nous parlons ici, nous avons Samson, nous avons Jephté, et ceux dont on n'utilise pas souvent, on a Othniel et Ehud. Dès le premier verset, nous voyons le problème, l'origine du problème d'Israël. We see the origin of the issue of Israel. Nous avons parlé avec le pasteur nous prêchait ici et nous parlait nous parlait des esprits lunatiques. He preached about the lunatic spirit. Et les esprits lunatiques. And the lunatic spirit. Nous en avons parlé dans Matthieu 17, 14 à 18. We spoke about them in Matthew 17, 17, 17. Et pour ceux qui n'ont pas suivi la prédication, and for those who didn't watch it, c'était un monsieur qui se plaint à Jésus pour dire mon fils a cet esprit-là qui revient au même période et qui lui cause de se faire du mal. He had a son that et le pasteur nous disait qu'il y a certains événements dans notre vie so he said there are events in our lives qu'ils reviennent constamment that come constantly pour nous faire du tort. Pour nous faire du mal. Wrong, et dans ce cas ici, nous nous retrouvons aussi avec le même genre d'esprit. And in this case, we have the mais qui vient, mais qui sévissent au niveau d'une nation. But that affects a whole nation. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui que Madian venait à certaines périodes, that pas tout le temps. They will come at a certain quand Israël avait season. Semé, not quand Israël when, avait planté, when they quand ça avait poussé, seeds, au moment de la grow, récolte, at the time Madian of harvest, s'amenait. Et quand Madian s'amenait, ils ne s'emmenaient pas tout seuls. Ils venaient come, nombreux. Et ils passaient et ils prenaient tout. And they will take everything. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent ces phénomènes? Do we have people here that live où au moment same de la récolte, c'est au moment où tout part. That when it's about au moment time de to la harvest, récolte, everything goes. Au moment de la récolte, c'est au moment où on ne te rappelle plus. At the time of harvest, it's au when moment no de one la calls récolte, you back. C'est au moment où le gars disparaît. At the time of harvest, au moment it's when de the la récolte, person c'est au moment vanishes. Où la femme disparaît. Where, like, au the moment time of de la récolte, harvest, the women c'est au moment où la voiture tombe en panne. Au moment the car breaks down. Ce phénomène ne fait que se répéter. This phenomenon keeps repeating itself. Et c'est dans cette situation que Gédéon se retrouve. Gideon found himself. Et le peuple maintenant, qu'est-ce qu'il fait pour and se défendre? Il est obligé d'aller se cacher. To defend themselves, they la Bible dit to themselves. Ils ont choisi des grottes the Bible says they et ils ont choisi les sommets pour and, se cacher. And fortresses. Parce que quand Madian venait, ils ravageaient tout. Because when Midianites came, they destroyed everything. Et Israël, and Israël subissait l'oppression. They will just be submitted to the oppression. Mais je vais vous dire ce matin. But I want to tell you that today. L'oppression a un ami qui s'appelle le temps. Oppression has a friend that's called time. L'oppression a besoin du temps. Oppression needs time. Quand la famine vient, when the family comes, il faut du temps pour que la famine s'installe. They need il faut time du to temps settle. Pour qu'on lui donne le nom de famine. They need time so they quand can la dépression vient, when elle a besoin comes, du temps.
It needs time. Il faut du temps pour qu'on lui donne le nom de dépression. It needs time, so it's called depression. Quand la tristesse vient, when elle a besoin comes, du temps. It needs time. Il faut du temps pour qu'on lui donne le nom de dépression. It needs time before it's called sadness. Mais je viens te dire but ce I'm matin, coming to tell you today, tu as un Dieu qui est au-dessus du temps. You have a God that is tu as un Dieu qui contrôle le temps. He controls tu as time. Un Dieu qui agit au-dessus du temps. You have a God that is c'est not la raison limited pour laquelle in time. Je veux te dire that's why I want to tell ce you. Que tu traverses ce matin est what contrôlé. You are going through today is parce que l'instrument qui s'appelle le temps dont ton oppression a besoin that your est contrôlé par ton Dieu. Controlled by le your Dieu God. Que tu invoques contrôle ta situation. The God that le you Dieu are que speaking tu invoques to contrôle control le situation. Temps. C'est la raison pour laquelle je veux que tu sois dans la joie ce matin. Je veux que tu te réjouisses ce matin. Rejoice parce que le today. Dieu que tu pries contrôle the le temps. God that you are praying le Dieu que tu pries contrôle le the temps. God that you're le Dieu que tu pries time. Contrôle ton temps. He controls your time. Il a contrôlé le temps en Égypte. He controlled the time in Egypt. 400 ans. 400 years. Il s'est levé, il a dit assez. He just raised up, he said enough. Assez. Enough. Il a contrôlé le temps pour Sarah. He controlled the time for Sarah. Ça ne venait pas. He wasn't coming. Ça ne venait pas. He wasn't coming. Ça ne venait pas. He wasn't coming. Et oppression se disait j'ai le temps, je veux tirer jusqu'à ce qu'elle meure. And oppression was saying I have time, I will extend forever. Oppression se disait je veux tirer jusqu'à ce qu'elle meure. I will extend till she dies. And what happened? L'Éternel des armées dit c'est assez. The Lord of Heaven says it's enough. Il a tiré le temps pour Anne, la mère de Samuel. He extended the time for Anna, the mother of à ce Samuel. Moment-là, Peninnah se met à rire. Peninnah was just et puis elle dit, elle là, ça n'arrivera jamais. Nothing, ça ne va happen pas se passer. It will never happen. Mais il se lève un jour. But God raises up one day. Le créateur de Anne, il dit non, the creator c'est of Anna assez. Said, no, it's enough. C'est assez. It is enough. Goliath. Goliath. Viens avec les mêmes attitudes. He comes with the same attitude. J'ai le temps. I have time. Jour 1, j'insulte. Day 1, I just go. Jour 2, je terrorise. Day 2, I just terrorize. Mais il vient un temps où Dieu dit au 40e there came jour, a time when God c'est said, no, assez. It is enough. En ce jour, Dieu dans ta situation se lève et dit, God c'est saying, assez. It is enough. Amen. Dieu te dit, God c'est saying, assez. It is enough. Le temps, il est en ta faveur. Time pas is in en your la favor. Faveur Amen. De la dépression que tu traverses. Not in favor of depression. Pas en faveur de l'oppression que not tu in traverses. Favor of oppression. Amen. Amen. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, what interests me today, et à partir du verset 12. It's from verse 12. C'est la rencontre de l'ange de l'Éternel. It's the encounter between the angel of God. De l'Éternel, je veux dire, de l'ange de l'Éternel mais de l'Éternel. Avec Gédéon. With Gideon. L'ange vient et trouve Gédéon. The angel comes and finds Gideon. Gédéon, ce qu'il faisait à ce moment-là, c'est what que il se préparait parce qu'il savait que Madian allait arriver. Donc il fallait cacher la nourriture, n'est-ce pas? Il fallait cacher la nourriture. Alors je veux tous que vous imaginez. So I just want you all to imagine. Tu vis dans un pays you live in a country où where vous souffrez de famine. You have en plus de la famine, il y a la peur. And on top en plus of de la that, famine, il y a le désespoir. Donc vous ne voyez pas comment ça va s'arranger demain. So you don't even see how it's gonna end. Ça c'est l'homme qui est assis en train de travailler, en train de cacher that's sa nourriture. Concentré working, et faisant vite. He's et s'est mis dans une position où il rushing, se cachait. So he could hide. Et vient une voix qui lui dit and comes a voice that tells him, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. The eternal God is with you. Amen. Conqueror. Amen. Il y a des salutations qui changent une vie. There are some greetings il y a des that salutations change whole qui life. Changent une destinée. They change a whole il y a destiny. Des salutations qui changent le cours de l'histoire d'un there pays. Are greetings that change il y a des a full salutations story. Qui changent le cours de there l'histoire are greetings that change d'une destinée course of story. D'une famille. The destiny et of c'est a ça family. Que Gédéon va expérimenter. And that's what Gideon is gonna experiment. La voix lui dit the voice tells him, pardon, la voix lui dit and the voice tells him, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Conqueror. Quand Dieu nous salue, when God greets us, il parle à notre futur.
If he speaks to our future, quand Dieu nous salue, when God il parle à notre demain. Us, quand Dieu nous salue, when God il parle à notre espoir. He speaks to our hope. À nos rêves. He speaks to our dreams. Gédéon se regarde et écoute ce que lui dit. And tells God, ah mon Seigneur. Oh Lord. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Why has all this happened to us? Je veux faire une parenthèse ici là pour parler de quelque chose qui m'a vraiment touché dans open a parenthesis to talk about something that really touched me. La question est adressée. The question is asked. L'ange parle à Gédéon au singulier. The angel is talking to Gideon in the singular form. L'ange parle à Gédéon. The angel is speaking to Gideon. Il lui dit, he's telling him, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. The eternal God is with you, mighty hero. Écoutez la réponse de Gédéon. And hear the response of Gideon. Gédéon dit, Gideon says, ah mon Seigneur. Sir. Une façon de te dire, ne te moque pas de moi. Just a way to say, don't mock me, Lord. Ne te moque pas de moi. Don't mock me, Lord. Ah, please, ne te moque pas de moi. Please, et don't puis il mock continue, me. Il dit, and he says, si l'Éternel est avec nous. If the Lord is with us. Si j'étais Gédéon, if I was Gideon, ou si la plupart d'entre nous étaient Gédéon, or if the most of us were Gideon, ils auraient dit, they would have said, mais si l'Éternel est avec moi, si l'Éternel if the est eternal ma famille, God is with me, Gédéon, Gideon, intercède pour son peuple. He's interceding for his people. Gédéon intercède pour son peuple. He's interceding for his people. Je veux dire à quelqu'un ce matin, I want to tell someone today, tu ne peux pas être en Christ, you cannot be in Christ et de Christ sans porter le fardeau. And not carry the burden. Tu ne peux pas être en Christ, you cannot be in Christ et en Christ, and in Christ sans porter le fardeau. Without Gédéon the a porté un fardeau. Gideon carried a burden. Et c'est ce fardeau-là qui a fait que le salut de son peuple est arrivé. That made the salvation of his people come. Amen. Gédéon a porté un fardeau. Gideon carried et c'est the ce fardeau qui a changé le cours de l'histoire and de sa nation. Changed the course of je the veux parler of the à quelqu'un ce matin, cet après-midi. Je veux parler à quelqu'un ce matin, cet après-midi. Quel fardeau portes-tu? Which burden are you carrying? Quel fardeau portes-tu? Which burden are you carrying? Tu ne peux pas te dire de Christ. You cannot be of et fardeau Christ zéro. And do le nothing. Seul fardeau que tu portes, Seigneur, ma maison. Seigneur, ma voiture. My house, Seigneur, mon my enfant. Car, Seigneur, my mon child, ceci, mon my cela. This, my that. Dieu dit, lève les yeux, regarde. God says, open your eyes and see. Amen. Amen. Je reprends encore ce matin. I'm just going to go over this again. Nous sommes de souches immigrantes, la plupart d'entre nous ici. We are mostly immigrants here. Comment parles-tu de ton pays? How do you speak of your country? Tu dis de quoi de ton pays? What do you say about your country? Quand tu as les nouvelles qui viennent de ton pays, when you hear news tu réagis country, comment? How do you react? Très souvent, nous maudissons. Mostly we just curse it. Dans ce pays-là, il n'y a rien de bon. Oh, there's nothing in that country. Rien ne va. Et il well. Y a même quelqu'un d'un certain pays qui disait, and mais de toute façon, said from the, a certain country, vendons ce pays-là et partageons l'argent seulement. Let's just sell this country and share the goods with us. With comment us. Parles-tu de ton pays? How do you speak about your country? Il aurait pu dire, he could have said, de toute façon là, anyways, l'histoire est déjà gâtée. Oh. The history is just gone. L'histoire est déjà gâtée. Sauve-moi seulement là, so even if comme ça me, c'est fini. Tu as appelé, la personne que tu as appelé vaillant héros, c'est moi. C'est the pas eux. That you call mighty hero, donc, occupe-toi de mon cas. So just et puis take c'est my fini. Situation and that's it. On s'adresse à lui au singulier. Il so répond au pluriel pour dire qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? What is happening to us? Comment parles-tu du Canada, ton pays d'accueil? How do you speak of comment parles-tu de quoi? De ton quartier? How do you speak of il y a city? Des gens dans le qui habitent certains quartiers de cette ville. There are people si that tu lui parles et tu lui dis, tu habites où? You ask them, where la do you manière live? Dont ils décrivent ce quartier-là. The way they describe that city, mais comment peux-tu intercéder pour ce que tu maudis déjà? Intercede for the things that you are cursing? Comment tu peux intercéder pour ce que tu insultes déjà? How can you intercede for the things you insult? Comment peux-tu intercéder pour quelque chose que tu n'aimes pas? How can you intercede for something you don't love? Ta prière va frapper le plafond et va redescendre. Your prayer is just going to hit the parce qu'elle ne va pas monter au cœur de Dieu.
Because it's not going to go up to the heart of God. Dieu cherche des gens qui portent des fardeaux. God is looking for people Dieu cherche des gens qui portent des fardeaux. Dieu cherche des gens qui soupirent pour les autres. People that just sigh for others. Tu veux maximiser la réponse à tes prières? You do want to maximize the answer to your prayers. Porte les fardeaux des autres. Carry the burdens of others. Amen. Tu veux maximiser ton exaucement? Do you want to maximize the answer Porte to your les prayer? Fardeaux des autres. Carry the burdens of others. Moïse. Moses. Après avoir envoyé les espions, les espions reviennent. They come back. Et ils donnent un rapport très négatif. And they give a very negative report. Et ils disent, oui, ce pays-là, mais ils sont grands, on ne pourra pas. Et puis c'est impossible. Et ils disent, non, on rentre en Israël parce que, bon, au moins là-bas, on aura des temps pour qu'on nous enterre. Because at least they will have time on est en Égypte plutôt. Et Dieu se fâche. And God gets Dieu dit, je veux en découdre avec ce peuple. I just want to separate from this country, from these people. Et regardez ce qu'il dit à Moïse. Il dit Look à Moïse, je veux faire de toi une Moses, nation. I want to make you a nation. Et Moïse, and Moses, au lieu de saisir le ballon, instead of et aller tanker, and really just tank il se dit, basket, ah, ah, ça je ne touche like, pas. No, I'm not gonna touch il dit éternel, said, tu ne peux pas God, faire ça. Tu ne peux this. Pas tuer tout le monde. Si everyone. Tu le fais, If qu'est-ce qu'on it, dira? What will they say? Et c'est là que Dieu, se... et c'est ce cœur-là que Moïse avait. And that's the heart that Moses had. Néhémie dans Néhémie 1. Néhémie est là. He's there. Et il n'était même pas né là. Il était né à Babylone. He wasn't even born there. He was born in Babylon. Oui, born like pas au nom fresh from the boat là. Il n'était pas né. Il était né à Babylone. He was born in Babylon. Mais il entend les nouvelles. Il demande à Judas comment ça se passe. How is it going, Judas? On lui dit, oh mon cher, c'est la désolation là-bas. It's just desolation. C'est la catastrophe là-bas. It's catastrophic. Tout le monde ne va pas bien là-bas. No one is doing well there. Et Néhémie se dit, non, je ne peux pas rester tranquille. Je ne peux pas avoir la paix. I don't have peace. Tu es la solution au problème de ta nation parce que tu peux fléchir les genoux et intercéder. Tu es la solution au problème de ton quartier, au problème de ta ville, au problème de ton pays. Amen. Dieu vient nous rencontrer pour plus que nous. Dieu vient nous rencontrer pour plus que nous. Quand Dieu t'a rencontré, c'est pour ta famille. Quand Dieu t'a rencontré, c'est pour ton quartier. Quand Dieu t'a rencontré, c'est pour ta nation. Quand Dieu t'a rencontré, c'est pour le monde. Amen. Comes to meet you, it's for the world. Amen. Donne-nous un bon applaudissement au Seigneur. Can you please just clap for the Lord today? Et là maintenant, je vais avec Gédéon. And now I'm going with Gideon. Il y a quelques ici, je disais que a few weeks ago I was saying, en parlant de Genèse 1-2, speaking of Genesis 1 je disais 2, que la terre avait deux problèmes. I said, un problème de fond et un problème de fond. De fond et un problème de fond. Problems. Mais en relisant la parole, je me suis rendu compte But que as je n'avais pas vraiment eu. La terre avait trois problèmes. That Earth had three la problems. Terre avait un problème de fond, problem un problème de forme et un shape. Problème d'obscurité. And a problem of un problème de direction. Of direction, problem direction. Amen. Amen. Quand Dieu vient rencontrer Gédéon, When God comes to Gédéon meet Gideon, a ces trois problèmes. He had those three problems. Avant même d'aller là-bas. And before even going there, chaque entité every que entity Dieu rencontre, that God meets, Dieu règle ces trois problèmes-là. God fixes those three issues. Dieu règle le problème de fond, he fixes the bottom line problem, le problème de forme and the one that's physical, et un problème de direction. And the one of direction. Et chaque fois que Dieu se retire d'une entité, and every time God withdraws himself ces trois problèmes entity, se posent. These problems happen again. Amen. Amen. Alors, Dieu vient rencontrer Gédéon. So God comes to meet Gideon. Gédéon était vide à l'intérieur. Gideon was just empty inside. Gédéon était vide à l'intérieur. He was just empty inside. Il vient, Gédéon, comme il le dit, je suis Gideon d'une said, famille sans nom. I'm from a no-name on ne nous family. Connaît pas. No one knows et us. Même dans cette famille-là, je suis le dernier. And even in that family, I'm the last on vient one. Régler un problème de forme. We are coming to fix an outside et le troisième problème que Dieu vient régler dans la vie de Gédéon, juste par la salutation, fix, even to the greeting, c'est un problème de direction. Is a problem of direction. La parole dit ceci. The word of God says,
avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. And deliver Israel from the hands of Midianites. Gédéon était assis. Gideon was sitting. Il ne savait pas où aller. He didn't know where to go. À part se cacher. Except hiding la parole himself. De Dieu vient. The word of God dit comes Gédéon, and tells Gideon, va avec la force que tu as. Go with the strength that you have. Combien d'entre nous se sentent comme Gédéon ce matin? How many of us feel like Gideon today? Tu es découragé parce que discouraged because ça n'arrête pas. It's just not stopping. Tu n'en peux plus parce que ça n'arrête pas. You just can't handle it anymore because you won't stop. Tu as parlé, prié, tu as jeûné, you prayed, you fasted, and it's just not going well. Mais ce matin, Dieu vient te dire. But this morning, God is coming to tell you. Va avec la force que tu as. Go with the strength that you have. Va avec la force que tu as. Go with the strength that you have. Et la raison Amen. Pour laquelle Dieu dit va avec la force the que tu as. The reason why God says that is. C'est parce qu'il dit plus tard à Gédéon, it's because he later says to Gideon, je serai avec toi. I will be with you. Va avec la force que tu as. Go with the strength that you have. Parce que je serai avec toi. Because I will be with you. Quel est ce projet que tu as commencé pour lequel tu as tellement peur? Which is this project that you started and you're so fearful? Quel est ce ministère que tu as et puis pour lequel tu as tellement peur? Which is this ministry that you are so fearful for? Dieu te dit ce matin, God is telling you today, va avec la force que tu go as. Go with the strength that you have. Va avec la force que tu as. Go with the strength that you have. Quand Gédéon s'est levé le matin, when Gideon woke up in the morning, il n'était pas devenu plus grand, vous savez. He didn't just become taller. Il n'avait pas poussé des biceps pendant la nuit. He didn't have four packs. C'était le même homme. He was the same man. Mais c'était le même homme avec la parole de Dieu. But he was the same man with the word of God. C'était le même homme avec la promesse de Dieu. He's the same man with the promise of God. La promesse que tu as reçue de Dieu, c'est la substance avec laquelle Dieu veut travailler. You received from la God promesse that tu as reçue de Dieu, c'est la substance avec laquelle Dieu veut faire quelque chose. God is the substance with which God wants to si do something. Si tu le prives de ça, tu le prives de son that, action. You are depriving yourself si of tu le prives de cette parole-là, il ne peut rien faire parce que tu la tiens. Because you keep it captive. Dieu te dit ce matin. God is telling you this morning. Va avec la force que tu as. Go with the strength that you have. Il ne te demande pas comment te sens-tu. He's not asking how you're feeling. Il te demande pas comment te sens-tu. He's not asking how you're feeling. C'est un ordre. It's a command. Va avec la force que tu go as. Go with the strength that you have. Dis à ton voisin. Tell your neighbor. Va avec la force que tu as. Go with the strength that you have. Va avec la force que tu as. Go with the strength that you have. Amen. Amen. Va avec la force que tu go as. Go with the strength in you. Va avec la force que tu as, ça veut dire si tu es en train de pleurer, va you're avec crying, la force que tu as. Go with the strength in you. Si tu es en train de gémir, if you are va avec just la force complaining, que tu as. Go with the strength in you. Parce que quand tu te mets en action, because as you start actioning, il devient ta force. He becomes your strength. Parce que quand il t'envoie comme ça, c'est parce que lui se because dit as ceci. He's sending you, dès que tu te mets en action, he tells himself, as you start dès que tu te mets à va, as you, dès que you start tu te mets walking, à va, lui se met à agir, then he lui se met acting, à faire, he lui se met it. À transformer, he lui se met à bousculer, he lui se met à renverser, he lui se met à briser, lui se met à libérer, lui se met à ressusciter, starts resurrecting everything in the name of Jesus. Hallelujah. Dieu est bon, mes frères. God is really good. Dieu est bon, mes frères. God is good. Dieu te dit ce matin. God is telling you this morning. Le Dieu qui combat pour toi, comme le pasteur n'a pas cessé de le dire you, ici. Just like the pastor, le Dieu qui combat pour saying. Toi. The God that is fighting for you. He's telling you this morning. Rema va avec la force que Rema, tu as. Go with the strength Lydia that you have in you. Va avec la force Lydia, que tu as. Lydia, go with the strength Dodo, that you have in avec you. La force Dodo, que tu go as. With the strength that you have in you. Va avec la Natalie, force que tu go as. With the strength that you have in you. Va avec la force Serge, que tu as. Go with the strength Yasmin, you have in you. Va avec yes, la force Yasmin, que tu go as. With the strength you have in you. Va avec la force que tu go as. Go with the strength you have in you. Va avec la force que tu go as. Go with the strength you have in you. Va avec la force go que tu as. Go with the strength you have in you. Va avec la force go que tu as. Go with the strength you have in you. Va avec la force que tu as. Go parce with que the strength je suis you have avec in you. Toi. Because I am with la you. La parole de Dieu. The word of God. Est ton assurance vie.
is your life insurance. L'assurance vie, Dieu, la parole de Dieu est ton assurance the vie. The word of God is your life insurance. Tout ce que tu as ce matin, c'est sa parole. Everything you have today is his word. Ta parole te commande. Va avec and la force que tu as. His word is commanding you. Go with the strength dire, in you. Ose. He's saying en dare. En voulant te dire, ose. He's saying dare. En voulant te dire, ose. He's saying dare. Dieu te veut en action. God wants you in action. Parce que tout ce qu'il fait là, tout ce qu'il fait, il n'en peut plus là. Il veut because se mettre à l'œuvre. Il veut se manifester. Mais pour acting. Cela, il te veut he en action. Il te dit, va avec la force and que he's tu saying, as. Go with the strength you have in you. Parce que je suis avec toi. Because I am with you. Parce que je suis avec because toi. I am with you. À tous ceux qui te sentent abandonnés ce matin. All of those people that à I feel tous ceux abandoned. Qui se sentent seuls ce matin. If you feel lonely. À ceux qui se sentent down ce matin. If you feel down today, Dieu te dit. God is saying, je suis avec toi. I am with you. À ceux qui cherchent des solutions et puis ça ne vient pas. For those who are looking for solutions that are not coming. Je suis avec toi, ça veut dire que. I am with you means. Je veux une relation avec toi. I want a relationship with you. Je suis avec toi veut dire je veux I am marcher you avec means toi. I want to walk along with you. Je veux cheminer avec toi. I want to walk along with you. Et c'est là, c'est ça que Gédéon expérimentait. And that's what Gideon experimented. Dieu s'est collé à lui. God really just went one with him. En une nuit, Gédéon est devenu un stratège militaire. Within one night, Gideon became en une nuit, a strategy. Gédéon est devenu un organisateur. He became an organizer. En une nuit, Gédéon est devenu fort. Within one night, he became strong. Gédéon est devenu bold. Gideon became bold. Il est devenu audacieux. C'est ça que la présence de Dieu fait. That's what the presence c'est ça que of God le contact de does. Dieu a fait. That's what the contact with God does. Ce matin, Dieu veut une relation this avec morning, vous. God wants a relationship with you. Dieu veut une relation he avec wants vous. A relationship with you. Dieu veut changer l'histoire de ta vie. He wants to change the story of your Dieu life. Dieu veut changer amen. L'histoire de ta famille. He wants to change the story of your family. Amen. Et par toi, Dieu veut changer l'histoire de ta nation. And through you, God wants to change the story of your nation. Amen. Tu as Dieu pour changer le monde. You have God to change the whole world. Tu as Dieu pour transformer le monde. You have God to transform the whole world. Tu as Dieu pour aller au-dessus. You have God to go above. Du primaire. Of the primary, the basic. Comme la voiture, la it's maison. Like car, houses. Dieu te veut pour plus que ça. God wants you for so much more than that. Et avant de clôturer. And before I close. Dieu demande à Gédéon quelque chose. God asks Gideon something. Je veux que tu ailles faire le ménage. I want you to start cleaning up. Va dans la maison de ton père. Go in the house of your father. Entre chez vous. Go in. Et va enlever tout ce qui ne me plaît pas. And remove everything that is not of me. Va enlever tout ce qui attriste mon cœur. Remove anything that saddens me. Va renverser tout ce qui fait que ma main ne peut pas aller jusque là parce que c'est sale. Remove everything that stops my hand from going there because it's dirty. Va enlever tout ce qui limite ma puissance. Remove anything that is limiting my power. Ce matin en finissant. Before I close today. Regardez ce qui arrive, c'est Dieu qui dit à just look what's going on. God is telling Gideon. Ce matin, que le Saint-Esprit vienne parler à nos cœurs. May the Holy Spirit come and speak to your heart. Pour nous dire qu'est-ce qu'il voit et qu'il veut qu'on enlève and may he pour tell que la puissance de Dieu se déclenche dans notre situation. So that the power of God is unleashed in this situation. Qu'est-ce qu'il veut que nous puissions changer what pour que la puissance de Dieu so that the power of God, si tu laisses Roger décider if you let Roger decide, il y a certaines choses que je vais enlever parce que ces choses-là c'est mon confort. Je remove. Peux les enlever moi-même. I can remove them je myself. Peux le repousser moi-même. I can push it away mais quand Dieu vient, but when God comes, lui qui est souverainement élevé, who is sovereign, il voit des choses. He sees stuff. Il voit des choses. He sees stuff. Il voit des balles dans nos vies. He sees Baal in our lives. Et certaines balles se sont métamorphosées. And some of them are tellement bien. They're just so settled. Certaines balles some of the balls, ont pris des formes. On ne voit pas. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut les voir. Only the Spirit of God can see them. Dieu veut que nous fassions le ménage. God wants us to clean pour que sa puissance puisse se déclencher. So that his power can be demandons à l'Esprit de Dieu let's ask the Spirit of God de pouvoir nous visiter. To visit us, de pouvoir nous parler. To speak to afin us, que nous puissions voir le ménage, faire le ménage so we can clean up pour
voir la main de Dieu. To see the hand of God. Dieu Amen. Te dit ce matin. God is telling you today. Va avec la force que tu as. Go with the strength that you have. Parce que je serai avec toi. Because I will be with you. Va avec la force que tu Go as. With the strength that you have Parce in que you. Je serai avec toi. Because I will be with you. Que Dieu bénisse sa parole. May God bless His own word. Amen. Can we all stand, Church of God? Can we all stand? Est-ce qu'on peut tous se Let's lever put our hands together for the Lord. Applaudissons ensemble pour le Seigneur. Alléluia. I know it's almost time to go. Je sais que c'est presque l'heure de partir. But I plead with you. Mais je vous en supplie. Please don't miss this time of prayer. Ne ratez pas ce temps de prière. Alléluia. 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 First of all, I want us to pray. Premièrement, j'aimerais qu'on prie. We will pray actually in three directions. On va prier librement dans trois directions. In these three directions. Ces trois directions. The first direction that I want us to pray La première dans laquelle j'aimerais qu'on prie. Is to say to God. C'est de dire à Dieu. Father, remove every ball from my life. Père, enlève tous les balles de ma vie. Remove anything that is not giving you glory in my destiny. Enlève tout ce qui ne donne pas la gloire dans ma destinée. Remove anything that can stop you from visiting me. Enlève tout ce qui peut m'empêcher de me visiter. Remove anything that can stop your presence from filling me. Enlève tout ce qui peut empêcher ta présence de me remplir. Your ball can be your time. Votre balle peut être votre temps. It can be a TV program. Ça peut être un programme télé. It can be adultery. Ça peut être de l'adultère. It can be the time that you're not giving to God. Ça peut être le temps que vous ne donnez pas au Seigneur. Beloved, I want us to pray with Bien-aimé, all our hearts. J'aimerais qu'on prie de tout notre cœur. Say to God. Qu'on dise au Seigneur. Father, remove Père, enlève anything that is not giving you glory. Tout ce qui ne te donne pas la gloire dans ma vie. In Jesus' name, dans lift le up nom your de voice, Jésus. Let us pray. Prions dans le nom de Jésus. Je veux nous entendre prier. Est-ce que I tu want, peux I lever ta voix? Dis à Dieu, pray. Seigneur, brise tout ce qui ne te rend pas la gloire. Anything that is not giving you glory. Brise tout ce qui ne te rend pas la gloire en moi. Anything that is not giving you glory in Ça me. Peut être l'orgueil, It can be pride. L'impudicité, Adultery. Le mensonge, Lies. Le vol, Stealing. L'envie, Envy. L'orgueil. Pride. Brise, Seigneur. Break, God. Tout ce qui ne te rend pas gloire dans ma vie. Anything that is not giving you glory in my life. Je veux t'entendre encore. Prie avec foi, bien-aimé. Pray with faith. Prie avec foi. Prie avec foi. Pray with faith. Dis à Dieu de briser. Tell God to break. Comme Dieu avait envoyé Gédéon, il lui a dit. Just like God sent Gideon, he said. Va détruire toutes les statues de Baal. Go and destroy all the statues of Baal. Dieu te demande en God ce jour. God is asking you today. Pour que sa gloire se manifeste. His glory to manifest. Pour que sa gloire se révèle. Glory to reveal itself. Détruis toute chose qui ne lui rend pas la gloire. Destroy anything that is not giving him glory. Enlève et renverse tout ce qui n'est pas de lui. Remove anything that is not of him. Rabo shande rebeke sara maya konta. Il a sare baba chande rebesike. Il a zekari bashika rebobo santa. Seigneur, nous venons prier Lord, we are que tu puisses pray, briser en nous so you can break in toutes us les choses qui ne te rendent pas la that gloire. Is not giving you glory. Tout ce qui était statue des idoles, that was idols, tout ce statues, qui ne te glorifiait anything pas, that Seigneur, was not glorifying ici Lord, dans cette église, here in this church, dans la vie de tout un chacun in de the nous, life of everyone, nous te prions, Seigneur, we pray, Lord, brise tout ce qui ne te rend pas la gloire. Break anything that au is not giving you glory. Jésus, in the name of Jesus. Au nom de In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que le feu du Saint-Esprit May consume tout ce qui n'est pas de Dieu. Anything that is Est-ce not que of tu God? Peux prier avec foi? Can you pray Dis with à Dieu, him? Seigneur, Tell God, que God, ton feu consume, May your fire consume tout ce qui n'est pas de toi en moi. That is not of tout you ce qui n'est pas de toi dans ma anything famille. That is not in you, tout ce qui n'est pas family, de toi amen. Dans la vie de mes enfants. That is not of que cela soit brisé. Que cela soit consumé. In the name of Jesus, dans le nom de Jésus, we pray, Father, nous prions, Père, that you will consume, that you consume, that you will burn and break, que tu brûles et détruis every nature, toute nature, that is stopping.
stopping your glory qui from touching ta gloire us. De nous toucher. Every nature toute nature that is stopping you from visiting qui us. T'empêche de nous visiter. Every nature toute nature that is stopping your mighty hand qui empêche ta puissante main operating in our lives. Dans notre vie. Let it fall today. Que cela tombe aujourd'hui. In the name of dans Jesus. Le nom de Jésus. In the name of dans Jesus. Le nom de Jésus. In the name of dans Jesus. Le nom de Jésus. Pray encore avec let's foi. Pray, pray, pray I with want faith. You to pray with faith. J'aimerais que vous priez avec everything foi. That is not of God tout ce qui n'est pas de in Dieu your life, dans vos vies. Get rid of it. Débarrassez-vous the de Bible cela. Says, la Bible déclare the hand of God is not short la main de Dieu n'est pas trop courte to rescue us. Pour nous secourir. His ear is not too close to hear our prayer. Il n'est pas trop, il est prêt pour écouter but nos prières. Sin creates a separation le péché crée une séparation between God and us. Entre nous et Dieu. May the Lord break everything. Que le Seigneur brise tout. That is not giving him glory. Ce qui ne lui donne pas la gloire. In the name of dans Jesus. Le nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Church, let us stand up, please, all of us. Église, levons-nous ensemble, s'il vous plaît. I want us to take this moment in prayer. J'aimerais qu'on prenne ce moment pour prier. I know why I was giving this topic. Je sais pourquoi Dieu m'a donné ce sujet. The Lord will fight for you. Le Seigneur combattra pour vous. Somebody gave me a testimony this week. Quelqu'un m'a donné un témoignage cette semaine. You remember when I started this teaching, the Lord will fight for you. Vous vous rappelez quand j'ai commencé cet enseignement, le Seigneur va combattre pour vous. I was prophesying on her mother. Right? Je me rappelle, je prophétisais sur sa mère. And I was saying how people were fighting her. Et je disais comment les gens la combattaient. Who was there? Qui était là? And I was even giving names of people. Et je donnais même les noms des personnes. And I said if those people don't repent, et je disais si ces personnes ne se repentent pas, they will die. Ils mourront. Remember? Amen. Vous rappelez? You remember? Vous rappelez? Who remembers? Qui se rappelle? This week, cette semaine, one of them refused to repent. Une des personnes a refusé the, de se repentir. The number one. Le numéro un du clan. He died. Il est mort. She's here. Elle est ici. Maybe I'm lying. Est-ce que je mens? That's true, eh? C'est vrai, n'est-ce pas? When I say the Lord will fight for you, quand je dis le Seigneur combattra pour vous, a prophecy in public. The fulfillment came also, it's public. J'ai donné une prophétie en public you'll go and make me et la prophétie est réalisé. Quand je dis que le Seigneur vous donne la believe victoire, that the Lord is giving you victory. Croyez que le Seigneur vous donne la victoire. Is somebody with me here? Est-ce que quelqu'un avec moi aujourd'hui? I don't kill people. Je ne tue pas we des gens. Give them time to repent. On leur donne le temps so de se repentir. I'm speaking over you. Alors je prie sur vous. Those who are fighting your destiny. Tous ceux qui combattent votre destinée. Because the Lord has said we will fast and pray even parce to que August. Le Seigneur a dit qu'on va on va if to the prier. End of August they are not repenting. D'ici la fin else we serve a living God. Or their God Dieu is mightier than Jesus. But notre if we serve our living God. Mais si nous servons I'm Dieu giving Dieu them an ultimatum. Je leur donne un ultimatum. I don't know them. Je ne les connais but pas. I give them an ultimatum. Mais je leur donne un ultimatum. Every person behind your misfortune. Toute personne derrière may votre the hand of God locate him. Que la main de Dieu les localise. Not as the blesser, but as the judge. Pas comme celui qui bénit, you comme le you're juge. Not getting me here. Vous ne me comprenez may pas encore. Every person that was fighting toute you personne qui vous combattait. Meet your God on the way. Rencontre votre in Seigneur the name sur le of chemin. Jesus. Dans le nom de Jésus. Keep the date today. Donnez un délai aujourd'hui. I know you don't like things like that. Je sais que vous n'aimez pas les choses comme ça. Listen carefully. Écoutez-moi bien. Right now, juste en ce moment, I'm not speaking as the pastor. Je ne parle pas en tant que I'm pasteur. Speaking like the prophet. Je parle en tant que prophète. If I speak like the pastor, si je parle en tant que pasteur, I will tell you, je vous dirai, love your enemies, aimez vos ennemis, pray for your enemies, priez pour vos here ennemis. I'm under the prophetic anointing. Si je suis sous l'onction prophétique, and I'm feeling so angry. Et je me sens en colère. He was reading a scripture. C'était écrit dans it la parole. In me. Judges chapter 6 verse 3. Judges 6 3. Every time Israel was sowing. Chaque fois que Israël semait. That's when the Midianites were coming. C'est là où les Midianites venaient.
I'm sorry about the time. I want you to pray. Je m'excuse pour le temps, pour le retard. I can feel something is moving. Je sens que quelque chose est en train de se mouvoir. Listen. Écoutez-moi. We have people. On a des gens. You invest. Vous investissez. At the time you want to sign your contract. Et au moment de signer le contrat. Everything just scatters. Tout est juste détruit. We have people. Nous avons des gens. You get a fiancé. Vous avez un fiancé. Everything goes well. Tout se passe bien. At the time you say now we want to get married. Et au moment de se marier. The enemy brings obstacles. L'ennemi amène des obstacles. Why only at the point of reaping? Pourquoi juste au the moment de moissonner? It was whenever Israel had sown. À chaque fois que Israël semait, would come up also Amalekites and the people of Israel would come up against them. Et les personnes de l'Orient venaient pour they were not coming anytime. Ils ne venaient pas juste à n'importe quel only moment. Only when the people sow. Juste au moment où les gens semaient. But today. Mais aujourd'hui, everything that was fighting you at the point tout ce of your qui vous combattait au moment de votre the Lord stop it today in que the le name Seigneur Jesus. L'arrête au nom de Jésus. I don't hear your amen. Je ne j'entends pas vos amen. J'entends pas vos amen. I will be hearing a bigger je croyais amen. Que j'allais entendre un plus grand amen. Listen carefully. Écoutez-moi très bien. If you are here, si vous êtes ici, I want to pray for everybody. Je ne vais pas prier pour if tout le monde. You are here, si vous êtes ici, you feel. Et vous sentez. Every time I see the breakthrough is here. À chaque fois que ma percée and est là. Enemy comes and stop everything. Et l'ennemi vient tout arrêter. You will just lift your right hand. Levez votre just main lift droite. Your right hand. Levez votre main droite. When you are at the point of your breakthrough. Au moment de la percée. The enemy comes and fights. L'ennemi vient vous combattre. Every time you start. À chaque fois que vous you commencez. Can start your job. Vous pouvez commencer votre boulot. But when your promotion wants to come, mais au moment de la promotion. That's when people lie things about you. C'est là où les gens and commencent they à remove you from your work. Et ils vous démissionnent. This has to stop. Ça doit s'arrêter. Oh, I don't hear you. Oh, je vous entends pas. This has to stop. Ceci doit s'arrêter. Can you say it with me? This has est-ce que vous to pouvez stop. Dire à moi, avec moi ceci doit s'arrêter. Listen, when you are speaking with anger, don't say quand on parle avec colère, ceci doit. Listen, écoutez-moi, the Bible says, la Bible déclare, in your land, dans votre you will not have barren women. Vous n'aurez pas de femmes. You will not have women who have miscarriages. Vous n'aurez pas de femmes qui ont des fausses couches. But your life, mais votre vie, the enemy is fighting you. L'ennemi vous you combat. You cannot have your children. Vous ne pouvez pas avoir say with enfants. Me today, this has to. Dites avec moi, ceci doit s'arrêter. This has to. Ceci doit. Even if you are here, even if you are watching online, même si vous nous regardez, the anointing of God is so strong here. L'onction de Dieu est tellement puissante ici. And whosoever will dare to touch you, et quiconque vous touchera, after this prayer, après cette prière, August will not finish. L'août ne va pas se terminer. August will not finish. L'août ne va pas se terminer. For her, I was prophesying here. Je prophétisais sur elle. I see your mother. Je vois ta mère. I see her in this place. Je la vois dans the cet Lord endroit. Shows me this and that. Le Seigneur me montre telle chose. Me this and il that me montre telle chose. Other details we couldn't say in public. Les détails on ne pourrait pas donner en public. If they don't repent, s'ils ne se repentent pas, July will not end. Le mois de juillet July has not ended. Le mois de juillet n'est pas terminé. And they are gone. Et ils sont morts. I'm telling you. Je vous dis juste. She was sharing that testimony. She was shaking. Elle tremblait quand elle partageait ce her témoignage. Her sister from the USA called me. Papa, sa sœur des États-Unis est tremblée. God. Je sens le Dieu, je sens Dieu. So when we prophesy, you quand on prophétise, vous pensez que we do nyara nyara. Qu'on blague. We're not trying. On n'est pas en train de we don't prophesy. On ne prophément pas. We don't prophesy, we prophesy. On ne prophétise pas. So if I stand here, alors si je me tiens ici, the Lord has said to me, le Seigneur this month of July ce mois de and juin, August is turning things around. May the Lord turn everything around for you in the name of Jesus. Ah, you don't hear me. 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 Say with me, everything is turning around. Say it again, everything is turning around. Shout it with me, everything is turning around. So we want to pray. We will say to God, Father, Seigneur, Père, everything that has been blocking me, tout everything ce qui me bloquait, that has been blocking my destiny, tout ce qui bloquait ma destinée, today, aujourd'hui, the reign of Midianites is finished. Le règne des Midianites est fini. They only come to take the results. Ils viennent juste prendre les résultats. They let me suffer. Ils me laissent souffrir. They let me sow.
Il me laisse semer. They let me do the hard work. Il me laisse faire le travail dur. When is the time to reap? Et quand c'est le moment de récolter, they come and take the result. Ils viennent prendre le résultat. Today it has to stop. Aujourd'hui ça doit s'arrêter. Today it has to stop. Aujourd'hui ça doit s'arrêter. It is stopping indeed. Ça s'arrête en ce moment. If you are in that case, I said lift your hand. Dans ce cas, as you are lifting your hand, alors que je lève we will be praying, God bless you. We will say to God, on va dire au Seigneur, today, aujourd'hui, listen to my prophetic prayer. Écoutez ma prière prophétique. Today, aujourd'hui, let me pray for Belinda's mother. J'aimerais prier pour la mère de Belinda. Mama, come, I will bless you. Maman, est-ce que vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît? I want to bless you. J'aimerais vous bénir. I see a big blessing. Can we je put vois our hands une grande bénédiction. Est-ce qu'on peut lever la main? I want to bless my mother. J'aimerais bénir ma maman. Mama, welcome, welcome. Don't be afraid. Bienvenue, ne soyez pas, n'ayez pas peur. How are you? Comment allez-vous? You okay? Est-ce que ça va? You okay? Ça va? Don't worry. Ne vous inquiétez pas. I'm the type of prophet who keeps certain things. Je suis le genre de prophète qui garde certaines choses secrètes. But I want to bless her. Mais j'aimerais la bénir. Mama, God will bless you very much. Maman, Dieu va vous bénir abondamment. You see why I want to bless you? Vous savez pourquoi je veux vous bénir? And it's the daughter who is coming next. Et voilà là, ça c'est sa fille qui s'en vient. You see why I want to bless you? Vous savez pourquoi j'aimerais vous bénir? It's because c'est parce que the moment I saw you standing, au moment où je vous ai vu vous tenir the debout, enemy wanted to fight your family. L'ennemi voulait combattre votre famille. So that many of them pour que plusieurs will not have stability in marriages. N'auraient aucune stabilité dans leur mariage. But that attack, mais cette attaque, the same people, les mêmes personnes, I won't give the names, but the same je ne vais pas donner des noms, mais les mêmes personnes who brought one attack. Qui ont amené une attaque. It happened in 2015. Ça s'est passé en 2015. In February. En février. On the 8th of February. Le 8 février. You know? Vous vous rappelez? Yes. Let mama speak to me. You know 2015? Vous vous rappelez de 2015? Hein? February. Février. The 8th. Le 8 février. What happened? Qui s'est passé? C'est un dimanche. It was a Sunday. It was a Sunday. What happened? Hein? Leur papa est décédé, hein? Leur papa est décédé, hein? So the dad died, right? 2015. Oh, quand je lui parle, I saw clearly when I'm speaking to her, an angel standing with a sword. Je vois un ange se tenir avec une épée. Not only for her, pas juste pour vous, but there is somebody, Loi Bange. Mais il y a Loi Bange. There is a blessing that the Lord is releasing. Il y a une bénédiction que in Dieu relâche. If you are dans la congrégation, to a person having that name, come. Si vous êtes relié à une personne, Loi Bange, venez s'il vous plaît. Mama, I want to pray for you. Maman, j'aimerais prier pour vous. Because the Lord is showing me. Parce que le Seigneur me montre. People came to attack. Les gens sont venus vous attaquer. But they came to attack. Ils sont venus attaquer. Because there was something which they were claiming. Parce qu'ils réclamaient quelque chose. And the thing they were claiming. Et ce qu'ils réclamaient. It was through a name. C'était à travers un nom. K. K. O. O. N. N. G. G. O. O. Congo. Congo. You know? Est-ce que vous connaissez? You know it? Vous connaissez? Very well. Très bien. But that name, mais ce nom, is not a good name actually. C'est pas un bon nom en fait. You know? Vous savez? How do you know? Comment vous savez? So I must stop here. Est-ce que je dois m'arrêter ici? Because what I see, parce que ce que je vois, on the 8th of February, le 8 février, 2015, somebody dead. Quelqu'un est mort. People are calling Germain. Les gens appellent Germain. Kwasi. Congo. You confirm that? Est-ce que vous confirmez? But the same problem, mais le même problème is the same type of attack which is on their side. Était la même attaque qui était de votre côté. In the family, dans la famille, the enemy wanted to make people l'ennemi voulait faire que les gens not to be stable ne in soient marriages. Pas stables dans leur mariage. And I saw a lock being opened. Et je vois un cadenas débloqué. A lock being opened. Un cadenas débloqué. And when that lock is opened, et quand ce cadenas s'est débloqué, I see clearly, j'ai vu clairement, it is written Kofi. C'est écrit Kofi. Let's interact. Est-ce qu'on peut parler? You know it. Est-ce que vous connaissez Kofi? But there is something that I can hear. Mais j'entends quelque chose. It's like Swahili.
C'est pas du Swahili. I can hear like Amani. J'entends Amani. Amani. I'm trying to get what is. J'essaie de comprendre. You're not from Congo. Vous n'êtes pas du Congo. You're from Ivory Coast. C'est de la Côte d'Ivoire. But I hear that Amani. Moi j'entends Amani. You know it? Est-ce que vous connaissez? Yes, yes. That's Amani that I say. Ce Amani que je vois. It's not on this side, it's on another side. C'est pas de ce côté, mais c'est de l'autre côté. It's like on the side of Germain. Du côté de Germain. Hein? Yes, yes. Really? Yes. Si. Amani Kwasi. Amani Kwasi. It's Amani Kwasi. Amani Kwasi. Amani Kwasi, eh? His son is Kwasi Kongo. Amani Kwasi and his son. Mama, on that side. Sur de ce côté. There has been a kind of curse. Il y avait une malédiction. Which has been sent over the family. Qui a été envoyée sur la famille. So that none of your children. Pour que aucun de vos enfants. Could get married and stay longer. Ne puisse se marier et que ce mariage dure. People would be getting married. Les gens se marieraient. Separated. Et se sépareraient. Getting married. Se marieraient. Separated. Et se sépareraient. Getting married. Se marieraient. And separated et se sépareraient encore. But the Lord is telling me, dit, because of your presence in this parce que place, vous êtes ici en ce God moment. Is breaking that curse. Le Seigneur brise and cette I saw an angel holding a sword. Et je vois un ange that avec, says avec the Lord unto me, et voici ce there que is the Seigneur. Deliverance that God is bringing to all your family. Que le Seigneur amène à votre famille. And the enemy wanted to attack a life. Et l'ennemi voulait attaquer votre vie. I started seeing j'ai commencé à voir her being touched on the legs. Que vous étiez touché au niveau des genoux. The legs, les genoux, les pieds, les jambes. And the enemy wanted to start bringing pain. Et l'ennemi voulait amener de la douleur, pain, de la douleur, and pain, et de la douleur encore. Because he wanted Mama, parce qu'il voulait not to live longer, que vous ne viviez pas plus longtemps. It was a plan of the enemy. C'était un plan de l'ennemi. He wanted her life to stop. Il voulait que votre vie s'arrête. Dieu me dit que je dise à quelqu'un dans cette assemblée. God tells me to tell someone in the le assembly, temps de tes pleurs s'est arrêté. The time of crying is oh, just over. Je parlais à quelqu'un. I'm le temps de tes someone. Pleurs s'est arrêté. The time of crying has stopped. What is that loi Bange that I'm hearing? C'est qui ce loi Bange que j'entends, loi Bange? Come here. Venez s'il vous plaît. God is fighting for you. Dieu combat pour vous. For me to finish. Pour que je puisse finir. The enemy was fighting you. L'ennemi vous attaquait. Il vous combattait. He wanted to bring the spirit of death. Il voulait emmener l'esprit de mort. I will not go deep. J'irai pas profondément. Because I saw somebody dying before. Parce que je vois quelqu'un mourir avant. How many were you born in your family? Vous étiez combien dans votre famille? Combien d'enfants? Four children. How many are you now? Combien êtes-vous maintenant? You are three. Trois. Among the four, et parmi les quatre, I see one in the coffin. Je vois un dans un cercueil. But the one that I see in the coffin, mais celui que je vois dans un cercueil, it's not a man. Ce n'est pas un homme. It's a woman. C'est une femme. Who died? Qui est mort? It's a woman who has died. Parmi vos frères et sœurs. It's a woman. C'est une femme, oui. But that God says to me, you need to pray. Mais le Seigneur me dit, vous avez besoin de prier. Because. Parce que. Spiritually speaking, en matière spirituelle, the enemy is trying to draw you far. L'ennemi essaie de vous emmener loin. He wanted to bring a lot of attacks. Il voulait emmener beaucoup d'attaques. To bring Mama far. Pour vous emmener loin. I will not say big things. Je vais pas dire de grandes choses. But I can see on the side of the plateau. Mais je vois au niveau de deux plateaux. Deux plateaux. Deux plateaux. I can see like tranche 7. Je peux voir septième tranche. I don't know if I'm making sense. Est-ce que vous comprenez? Il voit deux plateaux, septième tranche. I don't know if you know a place like that. Est-ce que vous connaissez deux plateaux, septième tranche? Do you know a place which is called plateau? That's where they live. That's where you live. Yes. That's where you live. That's I've never been in Ivory Coast. Je n'ai jamais été en Côte d'Ivoire. Maybe we spoke. You have ever told me where you live? It's est-ce the first est-ce time qu'on a déjà parlé? Est-ce que vous m'avez déjà dit? It's the first time that we speak. Est-ce que c'est la première fois qu'on parle? Yes. Maybe you told me that you live on the side est-ce que of tu the m'as plateau? Dit que tu vivais du you côté sure? de... Est-ce que tu es sûr? Are you really sure? Est-ce que tu es vraiment sûr?
Because we cannot prophesy. Parce qu'on peut pas prophétiser. We prophesy. On prophétise. Why I'm speaking here? Alors que je parle ici. It is because. C'est parce que. The month of August. Le mois d'août. Will bring a lot of blessings to your life. Va amener beaucoup de bénédictions. And the Lord says to me, I need to tell you. Et le Seigneur me dit de vous dire. That is restoring your health. Il restaure votre santé. Is restoring your health. Il restaure votre santé. The enemy was fighting your health. L'ennemi combattait votre santé. I will not say a lot of things. Je ne vais pas dire beaucoup de choses. But she wanted even to go through an operation. Mais elle devait même passer par une opération. But the Lord has fought for you. Mais le Seigneur a combattu pour vous. And the Lord says to me, He will fight for you. Il me dit, il va combattre you pour are so worried. Vous étiez tellement inquiète. Because of your three children. À cause de vos trois enfants. The Lord says to me, le Seigneur me dit, from this day, à partir d'aujourd'hui, you will experience miracles. Vous allez expérimenter des miracles. You will experience the favor vous allez expérimenter la faveur de Dieu. You will experience the grace vous allez of expérimenter God. La grâce de Dieu. Other details, d'autres détails, I will give you one. We will see each other. Je vais vous le dire pendant qu'on va se rencontrer. Just hold my hands. Can you lift est-ce your right hand tenir towards ma main? Est-ce qu'on peut lever la main? Father, in the name of Père, Jesus. Au nom de Jésus. I pray for your servant. Je prie pour votre servante. Just as you showed me. Juste comme tu m'as montré. She lost her husband on the 8th of February 2015. Elle a perdu son mari le 8 février 2015. But it wasn't only physical, it was also spiritual. Mais c'était pas juste physique, c'était également spirituel. People were fighting Germain. Les gens combattaient Germain. Even in the place he was working. Même là où il travaillait. The place of fellowship. L'endroit de rencontre entre frères. But now, mais maintenant, the enemy want to bring those same attacks over the children. L'ennemi voulait amener les mêmes attaques sur les enfants. And he even wants to bring it over the life of Carol. Et il voulait même amener ça sur la vie de Carol. But I pray right now. Mais je prie maintenant. That you will bring deliverance to this family. Que tu amènes la délivrance dans cette famille. And you say to me. Et tu m'as dit, Seigneur, your servant. Ta servante. Needs to stand up in prayer. A besoin de se lever en prière. Father, give her the strength. Père, donne-lui la force. To pray. De prier. And to serve you. Et de te servir. With all her heart. Avec tout son cœur. With all her mind. Avec tout son esprit. Let me say it as a prophet. Laissez-moi le dire en tant que prophète. Please don't go to the side of Toronto, the side exactly the side of Etobicoke. N'allez pas du côté de Etobicoke. I won't get deep. Je vais pas rentrer dans les détails. But I see something. Mais je vois. When I see you,
quand je vous vois, I saw an angel with a sword. Je vois un ange avec and the Lord une épée. Said to me, et le Seigneur me dit, I am fighting for Lua Banj. Je combat pour vous. Lua Banj. Pour Lua Banj. I pray today. Je prie aujourd'hui. That the Lord will fight for que you. Le Seigneur combatte pour vous. You work very hard. Vous travaillez très dur. But the results are not what you expect. Mais les résultats ne sont pas conséquents. You work very hard. Vous travaillez très dur. To the point of combining many things at the same time. Et vous combinez plusieurs choses à la fois. Just to try and be okay. Juste pour vous en sortir. But that says the Lord unto me. Mais voici ce que le Seigneur me dit. The time of your rest has come. Le temps du repos est venu. You will rest in the Lord. Vous allez vous reposer dans le Seigneur. And I see you making three steps forward. Et je vous vois faire trois pas en avant. The Lord says to me, le Seigneur me dit, these three steps, ces trois pas en avant, are 3 months. C'est trois mois. In which the Lord is opening the doors for you. Dans lesquels le Seigneur va ouvrir les portes. Professionally speaking. Professionnellement. And then I see you sitting. Et je vous vois vous asseoir. You are signing papers. Et vous signez des papiers. Although I don't know what it means. Je ne sais pas ce que ça veut dire. But that says the Lord unto me. Mais voici ce que me dit le Seigneur. He has heard your prayer. Il a entendu vos prières. May the Lord fight for you. Que le Seigneur combatte pour in vous. Jesus name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Let me pray for the people who lifted their hands. J'aimerais qu'on prie pour les personnes qui ont levé leurs mains. Just come forward. Les visiteurs. I will just lay my hands on you. Not visitors first. Les personnes qui ont levé the les mains. The people who felt that when you are at the point of reaping, the enemy comes to fight les personnes qui ressentent que quand vous êtes sur le point de moissonner, when you feel that tout. You want to reap, that's when the enemy comes. Au moment comes de récolter, c'est là où l'ennemi vient vous combattre. Among all the peoples, I will just lay my hand on you. Je vais juste vous imposer les mains. I will just lay my hand on you. Je vais juste vous imposer les mains. The Lord we serve. Le Seigneur que nous servons. Among the people standing here. Parmi les personnes ici. Salah, make 3 steps forward. Salah, Salah, faites 3 pas en avant si vous êtes là. Salah. 1, 2, 3. Lift up your 2 hands. Levez vos 2 mains. Salah. 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 Lift up your 2 hands. Levez vos 2 mains. The 3 steps you have done. Les 3 pas que vous avez fait. That says the Lord. Voici ce que le Seigneur me dit. He is giving you victory. Il vous donne la victoire. You have been expecting the victory of God. Vous attendiez la victoire de Dieu. For your life. Sur votre vie. Hey, Carlos, Aya. Merci, Seigneur. Wow. Thank you, Lord. Je sens la visitation de Dieu en ce lieu. I feel the visitation of God in this place. Est-ce qu'on peut juste lever les mains ceux qui sont ici devant? Can we just lift all our hands, all ceux of qui us sont ici who devant. Are in the front? Just lift your hands on high. Levez vos mains. May the Lord restore your lives. Que le Seigneur restaure vos vies. May the Lord restore your lives. Que le Seigneur restaure vos vies. Because she did the 3 steps. Parce qu'elle a fait les 3 pas. That says the Lord unto me. Voici ce que le Seigneur me dit. Whatever has been stolen away from quelque you. Quel que soit ce qui vous a été volé. God is restoring it. Le Seigneur le restaure. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Father, I lay my hand on your servant. Père, je pose ma main sur ta servante. I humbly pray. Et je prie humblement. You showed me this name of Nsala. Tu m'as montré ce nom de Nsala. And then you said unto me. Et tu m'as dit. Time of restoration has come. L'heure de la restauration est venue. In Jesus name. Dans le nom de Jésus. Pendant qu'on a levé nos mains, je viens de voir, il y a un tourbillon qui est en train de se passer ici devant. There is a wind that Dieu vient de toucher 4 personnes. God just touched 4 people. Leur vie était liée. Their lives beaucoup were de domaines de leur vie étaient liés. A lot of fight. La main de Dieu est en train de les toucher. The ici devant, the ici devant, ici devant. Papa Roger, tenez juste la main de Julia. Je la vois saisie maintenant par la puissance please de Dieu. Elle est là, Julia. Là, juste. Yeah. Please touch Julia. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Jesus name. In the name in of Jesus Jesus name. Dans le nom de Jésus. In Jesus name. Maman Lydia venait toucher Maman Gina ici. Maman Lydia venait toucher Maman Gina. Touch il y a une forte puissance qui va la toucher maintenant. There is strong power that's going to touch her now. Là, just here, just here, just here, quick. Ici, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois ton miracle. Receive the miracle. Reçois ta restauration. Receive your restoration. Au nom de Jésus. In the name of 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 au nom de Jésus. 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 Toutes les personnes qui sont passées. Au nom de Jésus. Tout ce qui bloquait ta destinée. Tout ce qui bloquait ta famille. Tout ce qui bloquait ta postérité. Que le Seigneur te libère. May God free you. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Si je vous ai touché, vous pouvez rentrer. If I have touched que la main de Dieu te libère. May the Lord of que la main de Dieu fasse à ce que
tu puisses récolter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. There is the glory of God moving in this place. In the mighty name of Jesus. Maman, venez juste là. Maman, please move forward. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. May you receive your miracle. Vous receviez votre miracle. Say after me in the name of Jesus. Dites après moi dans le nom de Jésus. Say it with faith. Say with me in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Father. Père. I declare, je déclare, whatever the enemy took away, quel que soit ce que l'ennemi a pris, let it be restored, que ce soit restauré, in the name of Jesus, dans le nom de Jésus. Maman, maman, may God restore your finances, que Dieu restaure vos finances, may God restore your finances, que Dieu restaure vos finances. I'm seeing you touching things, je vous vois toucher des but choses, then I'm seeing it like liquid, mais je vois comme des liquides, it's going away, c'est comme si ça part. The Lord has said to me, le Seigneur me dit, when you have come here, quand vous êtes venu ici, you have been expecting God, vous attendiez le Seigneur, for a financial restoration, pour la restauration financière. But then I'm seeing another sign. Mais je vois un autre signe. You are walking. Vous marchez. And shaking like. Et vous tremblez un peu. It's like you're not stable. C'est comme si vous n'êtes pas stable. The enemy wanted to make you be unstable. L'ennemi voulait vous rendre instable. But that instability wanted to be emotional. Mais cette instabilité voulait être émotionnelle. I won't give details here. Je vais pas donner les détails ici. But the Lord has said to Mais me. Mais le Seigneur me dit. This day. Aujourd'hui. God has restored you. Dieu vous restaure, vous a restauré. Oh, may your hands be restored. Que vos mains soient restaurées. May whatever you touch be restored. Que tout ce que vous touchez soit in restauré. The mighty name of Jesus. Dans le puissant nom de Jésus. May whatever you touch be restored. Que tout ce que vous avez touché in soit Jesus restauré. Mighty name. Dans le puissant nom de Jésus. You are blessed. Vous êtes béni. And you will move forward. Et vous allez aller de l'avant. May the hand of God visit you. Que la main de Dieu vous visite. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Father, I pray. Père, je prie. Lebraika. Zone kanila sonta liglia. You don't know each other. No, est-ce que vous vous connaissez? Do you know each other? Est-ce que vous vous connaissez? May the Lord visit you. Que le Seigneur vous visite. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. You are blessed. Vous êtes béni. May God restore whatever was destroyed que in your Dieu life. Restaure tout ce qui a été détruit dans votre vie. Les Madianites ont volé. Les Médians ont volé. Mais Dieu restaure maintenant. But God has restored. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Come in the mighty name of Jesus. Venez dans le nom puissant de Jésus. Okay, did you get the answer? Est-ce que vous avez eu la réponse? Did you get the answer? What did she say? Qu'est-ce qu'elle a dit? Because what I was saying on Mama, ce que je disais sur Mama, when I just touched him, quand je l'ai touché, le Seigneur m'a dit que Lord told en Côte d'Ivoire, in Ivory Coast, ils étaient du même côté. They are like, from the same side. God is wonderful. I was praying for le him. Le Seigneur est merveilleux. Je But je then the Lord lui. Has let, Mais le let, Seigneur, le nom que j'ai cité là, the name I told beaucoup you d'attaques about. Venaient de là. A lot of attacks was coming from there. But today, aujourd'hui, I'm telling you, this man, je vous dis, cet God homme, is going to make him great again. Dieu va le lever encore. The Lord has said to me, le Seigneur m'a dit, to say it, de le dire, he's going to make him great again. Qui va le lever encore. He's going to make you great again. Va vous faire prospérer encore. L'ennemi vous a amené par terre. The enemy brought you down. Mais Dieu vous ramène plus haut. But God is bringing you higher. And those attacks, et ces attaques, it's because of that person, that woman she was saying, I want to c'était à cause remain, de cette femme. I want to be married by this person. Elle dit, je veux but être then she's par messing around and wants to mess spiritually. Elle se but I pray today mais je prie that the Lord will meet her. Que le Seigneur la Today I'm giving your enemies an ultimatum. Aujourd'hui je donne à vos ennemis un ultimatum. Quiconque touche votre vie. If this month of August finishes, they don't want to change. Si ce mois d'août else they change and give their life to Christ, else we will bury them. Soit ils donneront la gloire à Jésus, soit on va les enterrer. May God fight for you. Que Dieu combatte pour vous. May the victory of God be your portion. Que la victoire de Dieu vous touche dans le nom de Jésus. Saluez juste la maman.
Please just greet Parce que them la même bénédiction que j'ai vue là-bas, c'est la même bénédiction que j'ai vue ici. The same blessing I'm seeing Papa, here. Que Dieu vous bénisse. Papa, may God bless que you. Dieu vous restaure. May God restore you. Vous, votre épouse et votre famille. You, your spouse and your family. Que la gloire de Dieu vous accompagne. May the glory of God be with you. Et que la main de Dieu vous distingue. And may the hand of God distinguish. Just put your hand here. Levez vos mains. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. For your victory. Pour ta victoire. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. For your victory. Pour ta victoire. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. For your victory. Pour ta victoire. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. You are restored completely. Tu es restauré. May God fight for you. Que Dieu combatte pour toi. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. La liste n'est pas finie. The list is not over. Ceux-là qui te combattaient là. The people that are combating. La famille. They are combating the family. S'ils ne changent toujours pas. If they still don't change. Août, il y en aura encore deux. In August there will be two. Je parle comme prophète. I'm speaking as a prophet. May God fight for you. Que Dieu combatte pour vous. May God fight for que you. Que Dieu combatte pour vous. May God operate a miracle. Que Dieu opère un miracle. In your favor. Dans votre faveur. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Papa Hervé, take the microphone. Papa Hervé, please grab a mic. May God fight for you. Que Dieu combatte pour vous. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. My sister, what's your name? Ma soeur, quel est votre nom? Patricia. Patricia, lift your hand. Levez vos mains, s'il vous plaît. West. 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 Where are you coming from? D'où est-ce que vous venez? Hamilton. Hamilton. Hamilton and here is... Hamilton et ici, c'est l'ouest. West. C'est l'ouest. West. L'ouest. Because as I'm putting my hand Parce on que, her, alors que j'impose ma main sur I'm vous, seeing a fire going to the west je side. Vois un feu qui va vers l'ouest. That says the Lord. Et voici ce que me dit le Seigneur. God is operating a miracle in your life. Opère un miracle dans votre and vie. As you will come out of this place, et alors que vous allez sortir de you cet will endroit, go with a full restoration vous allez partir avec une restauration complète and a divine visitation et une visitation divine in Jesus name. Dans le nom de Jésus. May God fight for you, que Mama. Dieu combatte pour vous, God maman. Says you are so blessed. Le Seigneur dit que vous êtes tellement béni. You are so blessed. Vous êtes tellement béni. Don't worry about your life. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. About your health. Ou sur votre santé. Even about your children. Et même sur vos enfants. The Lord is fighting for Le you. Seigneur combat pour vous. There wanted to be a problem of blood. Il voudrait y avoir un problème de sang. God has given victory. Le Seigneur vous a donné la victoire. In all the family. Dans toute la famille. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Good health. Bonne santé. Prosperity. Prospérité. Victory. Victoire. Father, as I touch your servant, Père, alors que je touche ta servante, I see papers being signed. Je vois des documents signés. When she came here in the front, quand elle est venue devant, she was saying, I want to receive my miracle. Elle disait, je voulais recevoir mon miracle. It's done in Jesus' name. Dans le nom de Jésus. I'm going to touch you three times as the Lord is saying. Alors que je la touche trois fois, voici ce que le Seigneur me dit. Receive in the name of Jesus. Recevez au nom de Jésus. Father, this third Père, time. Cette troisième fois. May every attack. Que toute from attaque. North, south, du east, nord, and du west, sud, de l'est ou de l'ouest. Be broken. Soit brisé. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. You and all your family. Vous et toute votre famille. The victory is your portion. La victoire est votre partage. In Jesus' mighty name. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. May God fight for you. Que Dieu combatte pour vous. I'm hearing 2 months. J'entends 2 mois. 2 months. 2 mois. Everything is coming afresh. Tout vient fraîchement. Everything is being renewed by the Lord. Tout est renouvelé par le Seigneur. May the Lord fight for you. Que le Seigneur combatte pour In vous. Jesus' name. Dans le nom de Jésus. May God fight for you. Que Dieu combatte pour vous. New doors. Nouvelles portes. New opportunities. Nouvelles opportunités. Emotionally. Émotionnellement. May God lift you up again. Que Dieu vous élève encore. People spread lies about you. Les gens disent des mensonges sur vous. Even trying to destroy the reputation. Ils ont essayé de détruire votre réputation. Listen. Écoutez. You're a servant of God. Vous êtes une servante de Dieu. You're a servant of God. Vous êtes une servante God de Dieu. Is lifting you up again. Dieu vous élève encore. You will be a great testimony. Vous serez un grand témoignage. When people see you, quand les gens vont vous voir, they will see the glory of God. Ils verront la gloire de Dieu. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Give me your name. Donnez-moi votre nom. Aurélie. Sister Aurélie. Sœur Aurélie. You are blessed. Vous êtes bénie. Today, aujourd'hui,
You won't come out of this place as you came in. Vous n'allez pas sortir de la manière dont God vous êtes venu. God is doing something new for you. Dieu fait des nouvelles choses pour in vous. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. May the Lord fight for you. Que le Seigneur combatte pour vous. May the victory of God be your portion. Que la victoire de Dieu soit votre partage. Let this month of July. Que ce mois de juillet. Don't finish without you receiving your testimony. Ne finissez pas sans que vous receviez votre témoignage. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. I bless you, my je vous sister. Bénis, ma sœur. And I declare and decree. Et je déclare, je décrète. That your life will never be the same. Que votre vie ne sera plus jamais la même. Today. Aujourd'hui. I put an end to all the attacks which came over your life. Je mets une fin à toutes les attaques dans votre vie. Listen carefully. Écoutez-moi très bien. 18 of August. 18 août. A door is opened. Une porte s'ouvre. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. You are blessed and restored. Vous êtes béni et restauré. May the Lord grant your heart's desires. Que le Seigneur vous accorde les désirs de votre cœur. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. You are blessed and restored. Vous êtes béni et restauré. Something new. Quelque chose de nouveau. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Church of God. Église de Dieu. We want to finish. Vous êtes juste finir. Jean. We want to finish the service. Hallelujah. May God be with you in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. We want to finish the service. J'aimerais terminer ce service. Bear with me. Soyez un peu patient. Sometimes. Des fois. When you're looking here. Quand on regarde l'heure. When you're like, on est comme, you're missing something. Vous ratez quelque chose. And when a prophecy is being released et quand here, une prophétie est relâchée ici, if you're in the same situation, vous êtes dans la même situation, you connect to that, vous connectez, you are receiving too, et vous recevez également. Be a prophetic church. Soyez une église prophétique. Oh, amen. Oh, give me a good amen. Amen. Donnez-moi un bon amen. Be a prophetic church. Soyez une église prophétique. When he was speaking, quand il parlait, the Lord said to me, le Seigneur m'a dit, Rema, today, aujourd'hui, don't go. Ne pars pas without laying your hands sans imposer les mains on people who are in need. Aux personnes qui sont I dans le saw besoin. Myself laying hands on people. Je me suis vu en train d'imposer les mains aux gens. Then I was like, no. Et je me suis dit non. I have to pray for the visitors. Je dois prier pour les visiteurs. Then when he was preaching, mais alors qu'il prêchait, said, no, le Seigneur dit non, only. Pas les visiteurs, pas seulement les visiteurs. Every person whose destiny has been blocked. Mais toute personne dont la destinée a été bloquée. This is the time. Aujourd'hui c'est le temps of your restoration. De votre restauration. I'm not being proud. I know the je Lord suis pas fier. Je connais le Dieu que je sers. Who was with me in Saint Catherine's? Qui était avec moi à Sainte Catherine? One day in April in Saint en avril à Sainte Catherine. I was prophesying on a woman. Je prophétisais sur une femme. Her daughter was sick. Sa fille était malade. Then I said. Et j'ai dit. The Lord is showing me. Le Seigneur me montre. Something is happening in your life. Quelque chose se passe dans votre vie. By the 17th of July. Va se passer d'ici le 17 juillet. Who was there? Qui était là? That lady, she stood in the corner. Cette femme, elle était assise dans le coin. Her daughter was very sick. Sa fille était très malade. Very sick. Très malade. She could be falling just. Elle pouvait juste s'évanouir. They go to the hospital. Ils allaient à l'hôpital. She's having problems of health. Elle avait des problèmes de santé. They gave her appointments. On lui a donné des rendez-vous. To see if she needs maybe to go for the scan. Pour voir si elle avait besoin de scanner, d'opération. The doctor called her on the 17th of July. Le docteur l'a appelé le 17 juillet. 17th of July. Le 17 juillet. He said the results that I have. Il a dit les résultats que je vois. With the results I was having 2 months ago. Sont les mêmes résultats qu'il y a deux they mois. They are all different. Ils sont différents. When she called me. Quand elle m'a appelé. I wasn't alone. I was with Papa seul, Roger. J'étais avec Papa Roger. At my place. You remember? Dans ma maison, vous vous rappelez? We were praying. On priait. My tears were coming out. Alors je pleurais. She said, "Man of God, in April you said the 17th of July." Le 17 juillet. And the 17th of July. Et le 17 juillet. God changed the result in the hospital. Dieu a changé les résultats de sa santé. Listen here. Écoutez-moi. May God change even your blood results. Que Dieu change même votre sang. I'm not serving God for money, je ne cherche but je I ne know pas the Lord pour l'argent, that I serve. Mais je connais le Seigneur May que God je sers. May God change your financial situation. Que le Seigneur change votre situation financière. May God financière. Change your health situation que le today. Seigneur change votre santé. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. If the Midianites. Si les Médians. Les Madianites.
Midianites. If they were fighting you, s'ils vous combattaient, Midianites for you, there can be death, sickness, ça peut être la mort, all ça peut être the attacks that you were having. Toutes les attaques que vous aviez. Je me tiens aujourd'hui comme prophète I'm de Dieu. I'm here as a prophet of God. Comme Dieu nous a dit de jeûner tous les vendredis as du mois d'août. God told us to fast every nous Friday donnons August. Aussi jusqu'à la fin du mois d'août. We also give until the end of soit August. Ils se repentissent, either they repent, soit ils vont nous précéder. Or they will precede us. Je suis en train de parler comme prophète. I'm speaking as a prophet. Si tu es de divine grace, if you are of divine tu es dans cette alliance de divine grace, you are in this covenant que of divine Dieu grace. Combatte tes ennemis, may God fight je your leur enemies. Donne un ultimatum. Give them an ultimatum. Je l'entends et je le dis. I'm hearing and si I'm c'est saying dans it. Ton travail if it's in your workplace, et que ton chef te combat injustement, s'il si n'arrête pas, if he doesn't à la fin du mois d'août, c'est lui qui sera licencié. Fire. Je ne vous parle pas du Dieu des histoires. I'm not talking about the God of stories. Quand j'ai rencontré le frère Hervé pour la première when fois, I first met the brother je lui ai dit Henry, Dieu te donne la promotion. I told him, God is giving you il, promotion. Il est là. Il ne savait he's pas comment here. La promotion viendrait. He didn't know how the promotion was gonna happen. Ce prophète y parle. He was saying this prophet he's just dans speaking. Sa compagnie. In his company. Combien de personnes ont démissionné? How many people were fired? Deux personnes ont démissionné. Two people just left. Et quand ils ont démissionné? And when they left? On le promeut. He was promoted. Après qu'on l'ait promu, and after promotion, une semaine après, a week after, l'une des personnes est revenue. One of the people mais came quand back. Elle est revenue, when they came on back, ne pouvait plus le rabaisser. They could no il longer a gardé lower son poste. His status, so he kept je, his je position. Je ne vous parle pas des histoires. I'm not talking about just stories. Il est là. He's there. On a prié pour la maman. We prayed for the mom. J'étais en train de prophétiser ici. I was prophesying over vous her. Étiez là, non? You were here, right? Le même dimanche qu'on priait. And the same Sunday we were praying. L'hémorragie qui avait commencé depuis octobre, si c'est octobre, c'est quand? The bleeding that had started in September. Le dimanche, c'était le 15e. Maman connaît même la date bien. Maman, she even knows the name. Le 16 mai, elle n'a jamais oublié la date. May 16, she never on parle ici. 15. Le 15, on a parlé ici. 13. 13. Le 13. 13. On a parlé ici. We spoke here. Le même 13 mai. L'hémorragie de plus de 8 mois s'est arrêtée. The bleeding that was lasting since nous servons un Dieu vivant. We are serving je ne suis pas God. En train de faire la promotion de divine grace. I'm not promoting divine mais grace. Je suis en train de faire la promotion du Dieu que nous but servons. I'm promoting the living alors God je that viens serving. Encore annoncer. So I'm here announcing. Là, je ne vous parle pas comme pasteur. I'm not speaking as je a pastor. Parle comme prophète. I'm speaking as a prophet. Que la confusion soit semée dans le camp de tes may ennemis. Be tout celui qui enemies. S'est élevé contre toi, qu'il rencontre ton Dieu, lève-toi en ce jour, raise up va this avec day. La force que tu as, and go with the strength puisqu'on that a prié pour toi en ce jour, since we prayed tu for ne vas today. Pas sortir de ce lieu comme you tu es entré. En sortant de ce lieu, dis-toi à toi-même, ma situation a changé. Tell yourself, my si j'étais vaincu hier, if I was je deviens le vainqueur d'aujourd'hui. Si today. J'étais vaincu hier, aïe, pour la mort, Saïda, et rabababa. Si j'étais vaincu hier, he was à partir d'aujourd'hui, je vais vivre la victoire. Si j'avais échoué hier, à partir d'aujourd'hui, je vais réussir. Tu vas réussir. Oh, tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas réussir. As-tu un dossier qui est bloqué dans un bureau? Je parle comme prophète. Élie a parlé à la pluie. Il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Je parle comme prophète. Que sa situation soit décantée avant la fin de ce mois. Au nom de Jésus. Je peux sentir cette gloire. Elle est très forte. Feeling the glory elle est tellement is forte. It is so strong. Si tu n'es pas prophétique, tu ne sauras you pas ce qui se passe. You are not gonna know what's si tu regardes à la montre, c'est ton problème. Looking at the time, si that's tu sens problem. Que tu es pressé, tu peux partir. You're in the rush nous, you nous leave. Sommes sous une forte onction. We are under, je vois le ciel être favorable. Je vois le ciel être favorable. Que Dieu t'ouvre son ciel. Si tu as été comme les Madianites, si tu as été comme les Madianites, qui étaient en train d'acculer Gédéon et les autres, que Dieu te donne la victoire. Tout Madianite qui volait ce qui est à toi, aujourd'hui il est en train de lâcher. Oh! Aujourd'hui, il est en train de lâcher. Écoute-moi.
Si tu étais malade, if you were sick, je parle comme prophète de I'm Dieu. Le Dieu qui s'appelle Yahweh Rapha, qu'il vienne te toucher maintenant. Au nom de Jésus, je corrige le problème de tes oreilles. Je corrige le problème de tes yeux. On a dit que tu ne sauras pas voir sans lunettes. Que Dieu rétablisse ta vision. Aïe, conseille Icareba. Il a soyadé l'arbre ou la scoude gars. Que Dieu restaure ta vision. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je suis en train de voir ces signes. Dieu est en train de me faire voir des images. God is showing me il y a comme pictures. Des étoiles qui sont en train de tomber au ciel. Like il me dit que je dise à quelqu'un, si ton étoile ne brillait plus, le Seigneur l'a fait encore briller. God is tout celui qui avait volé ton étoile, qu'il la restitue aujourd'hui. Si ton étoile était volée, tenez les gens, il y a une forte gloire ici. Si ton étoile a été volée, qu'elle soit récupérée aujourd'hui. Qu'elle soit récupérée aujourd'hui. Par rapport à ta santé, par rapport à ton mariage, par rapport à ta relation, par rapport à ton travail, par rapport à tes finances. Tu as eu beaucoup d'argent. Tu voulais entreprendre. L'ennemi a tout pris. D'une manière mystérieuse. C'est parti. Que le Dieu de gloire te restaure aujourd'hui. Au nom de Jésus. Le temps de Madianite est fini. Le temps de Madianite est fini. Le temps de Madianite est fini. Ils attendent que la récolte pour voler. Que le Dieu que nous servons les confonde. Je parle comme prophète que Dieu a établi. Aujourd'hui même, il y a des gens qui recevront des nouvelles. Quand je parle, je ne blague pas. Quand je parle, je ne vous flatte pas. Je dis des choses qui coulent du trône. Aujourd'hui, le Seigneur te rend justice. 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 Je ne sais pas ce que tu peux faire. Mais en ce moment, j'aimerais juste que tous ensemble, comme une église prophétique, qu'on puisse se lever. On va pousser des cris de victoire. Et quand tu vas commencer à acclamer que la muraille de Jéricho s'écroule, que la muraille de Jéricho s'écroule, déclare-le, 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 déclare-le. Declare it, declare it, declare it. Que la muraille de Jéricho s'écroule. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux bien acclamer? Est-ce que tu peux pousser des grands cris? Des cris de victoire. Des cris de victoire. Que la muraille de Jéricho s'écroule pour toi. Que la muraille de Jéricho s'écroule pour ta famille. Expérimente la victoire de Dieu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va prier pour clôturer ce culte. Let's pray to close this service. L'Éternel est bon. Eternal God. L'Éternel est en ces lieux. You are in this place. L'Éternel est en ces lieux. The eternal God is in this place. L'Éternel est en ces God lieux. Is in this place. Il est 17h01 minute. It's 5:01. On va prier pendant 5 minutes. Let's pray for 5 minutes. À 17h05, on arrête de prier. And at 5:05, we'll stop praying. Je te demande quelque chose. And I'm asking you something. Je veux que tu pries bien. I would like you to pray well. Je ne prendrai pas au-delà. L'Éternel m'a dit 5 minutes. Et les choses qu'il m'a dit avant les 5 minutes, je les ai vues s'accomplir. Je te demande 5 minutes. Il me reste 3 minutes. Je veux que tu cries de ta vive voix. Je ne veux pas que tu pries la bouche fermée. Je ne veux pas que tu pries lentement. Parce que pendant que tu es en train de prier, il y a des choses qui sortent de ta bouche. Il y a des délivrances qui vont s'opérer. Voilà pourquoi je te demande de crier, de prier à haute voix. Dis à l'Éternel, Seigneur, que les choses qui bloquaient ma vie
pendant 5 minutes que cela sorte maintenant. 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 Je veux que tu cries à vive voix. Seigneur. Que les choses que tu faisais, Seigneur, les choses qui quittent de toi ma vie sortent maintenant. Seigneur, les délivrances que tu m'as montrées en ce lieu, je veux que ça puisse s'accomplir. Que ça puisse s'accomplir. Maintenant que ta puissance souffle, au nom puissant de Jésus, que cet après-midi, que les délivrances, Seigneur, s'accomplissent, que les chaînes se brisent, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, les chaînes qui sont entrées dans la malédiction, les chaînes qui sont entrées par des malédictions dites, que cela maintenant puisse quitter, dans le nom de Jésus, Saint-Esprit. Saint-Esprit, souffle maintenant. Souffle maintenant. Bien-aimé, prie bien. Tu n'as pas encore prié. Il te reste 2 minutes. 2 minutes. Je ne t'ai pas encore entendu prier. Élève ta voix et prie. Voilà, ça commence à venir. Élève ta voix. Voilà. Élève ta voix. Je sens une puissance du Saint-Esprit qui descend. Il te reste 1 minute. Seigneur, le temps, Seigneur, t'appartient. 1 minute, Seigneur, pour délivrer quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Touche. Dans le nom de Jésus. Rebrama shikora brasaka baba. Seigneur, souffle. J'aimerais avec moi que tu dises trois fois. With me. Three times. Ma bénédiction, je la reçois. I receive my blessing. On va commencer. 1. Je reçois ma bénédiction. I receive my blessing. 2. Je reçois ma bénédiction. 3. I receive my blessing. 3. Je reçois ma bénédiction. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Seigneur Dieu, merci. Lord, thank you. Merci pour ton peuple. Thank you for your people. Merci pour ta bénédiction. Thank you for your blessing. Merci pour l'ultimatum. Thank you for the ultimatum. Merci parce que tu nous as dit aujourd'hui. Thank you because you told us today. Va, je suis avec Go, toi. I am with you. Merci parce que cette semaine, Thank you because this week, nous allons témoigner. We will testify. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Les visiteurs.